série tout simplement où je vais jouer des personnages communs, mais pas leur poste commun en fait. Donc par exemple, là je vais jouer Panthéon. Normalement, Panthéon se joue plus au mid et au top. Là, je vais jouer en jungle. Donc le but de la série, c'est plus une série fun. On va rigoler, on va essayer de faire des choses et tout. Comparé à la série sur le guide pour bien débuter à League of Legends, où là, je joue plus sérieusement, où j'explique les choses et tout. Là, c'est plus une série fun. Donc voilà. J'avais envie de faire un petit épisode comme ça, tranquille. Donc, voilà. Donc je voudrais aussi m'excuser hein, pour les 5 semaines d'absence où j'étais à l'étranger, du coup. J'ai pas pu uploader des vidéos. Donc voilà. Petit problème. Pardon, j'avais oublié de baisser mon micro. C'est pas grave. Donc la game qui va commencer. Donc vous voyez que depuis les 5 semaines, l'interface de présentation a changé. Donc on peut voir. Donc, je montrerai avec mon doigt, ça a pas marché. Mais que la petite étiquette des personnages a changé. Donc on voit plus le ping comme avant. Il n'y a plus la barre avec les 100%. C'est un peu déstabilisant, mais bon, ça va. Donc je préviens tout de suite. Hein, c'est ma deuxième game depuis 5 mois là. Donc ça va être assez chaud, je pense. Surtout que je joue Panthéon jungle, quoi, c'est pas très commun. Mais bon, c'est une petite partie fun. Donc je voudrais aussi annoncer que là, normalement, les vidéos vont s'enchaîner là sur la chaîne là, cette semaine. Parce que j'ai beaucoup de temps libre, comme je suis en vacances, du coup je peux jouer un peu quand je veux, donc c'est cool. Mais l'AXR postera pas de vidéo parce qu'il est aussi à l'étranger en ce moment, du coup il peut pas. Le chargement qui se fait. Donc je vais voir un Panthéon jungle, j'ai joué 2 ou 3 fois. Je suis plutôt bien géré avec, mais c'est pas top. Mais c'est drôle quoi. Donc en face de moi en jungle, il y a personne. Donc ça c'est assez chiant parce qu'il y aura 2 au top, je suppose que ça sera Fiora et Aatrox au top. Teemo et Urgot au bot, Katarina au mid. Nous, on a Lulu, Ezreal au bot, Shogat au top et Jayce au mid. A mon avis, Jayce est bien dans son match-up. On va voir. Ah, un invade, bien sûr. Mon honneur le réclame. Donc on invade, hein, donc je sais pas si on a déjà fait ça dans une vidéo, mais en fait, bienvenue dans la faille ça consiste de l'invocateur. À voler un buff à l'adversaire, ou à prendre en embuscade un adversaire en fait qui passe par là. Ne me provoquez pas. Sur le champ. Un peu tendu là, mais normalement personne devrait être là parce qu'ils sont pas de jungler justement, donc on va pouvoir invade et ils vont me donner un buff gratos quoi. J'hésite à prendre ce sort avec 4 secondes de récupération. Fièrement. Des sbires sont apparus. Ma lance s'impatiente. Je connais ma voix. Donc apparemment, pardon. Pressons la lune. On va essayer de se faire le Urgot et le Teemo au bot là. J'arrive. Ils m'attendent. J'ai
GG, hein. On a Invade plus First Blood. On prend un bon avantage, là. Moi, je suis un peu en retard dans ma jungle, mais bon, ça dérange pas. Ça ne me... C'est comme si c'était clair. Parce que ça va, quoi. Je suis porté en jungle, donc là, je commence bien. Hein. Ils m'ont donné un buff, ils m'ont donné deux bleus. Parce que j'aurais pas attendre, et le champion est assez manœuvre. Que leur chaud l'arme de la guerre. Comme d'hab. Donc j'ai pas vu Aatrox, je sais pas où elle est. Il essaie peut-être de faire la jungle sans smite, hein, c'est possible. Je pense pas. Ils connaîtront la guerre. Faut juste que je prenne vite fait mon level 3, quoi. Ils ne vont pas aimer ça. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre le crève-cœur, donc le E de Panthéon, qui est à mon avis plus fort. Mais le bloquer permet d'encaisser les coups, donc ça passe. Sans marquer de pause. On va essayer de faire quelque chose sur la Katarina. Je sais pas si ça va être possible. Ma lance s'impatiente. Duel contre le Aatrox. Donc Aatrox il est bien jungle, hein. Il a même volé mon bleu d'ailleurs. Un allié a été tué. Merde, c'est chiant ça. T'es bien parti mais là c'est plus compliqué. Je vais le rasoir. Je peux acheter des bottes, donc là c'est assez sympa parce que j'ai pas mal de fièrement. Mais il m'a... Ah non, il a pas fait mon bleu, il m'a piqué mon bleu. Pas top que Aatrox soit jungle sans smite. Mais Aatrox on l'a pas encore vu en vidéo, hein. C'est le nouveau perso de la ligue et franchement il est complètement... Mon honneur le réclame. A été tué. Et il va faire des kills partout. Là où moi je peux pas être tout le temps sur la map lui. Il clean vachement vite. Il a des gants. C'est comme si c'était fait. Ah, GG. C'est carrément de sur le champ. Le mec plutôt fort. Déjà il s'est très bon. Il a son passif, mec, fais gaffe. Ouais, je connais ma voix. Normalement, vous entendez plus ma souris, hein, enfin, j'ai plus corrigé le bug, hein, j'ai un petit problème avec mon bug. Voilà, c'est réglé. C'est pas grave. Donc là, je vais peut-être aller faire mon bug. Je sais que je serai pas trop fort. Ne me provoquez pas. Après, je pourrais gank partout, quoi. Au bot, j'ai pas compris comment ça se fait que le RSI s'est fait tuer, peut-être qu'il avait pas back. Donc 6 minutes, je suis niveau 4, hein, c'est vraiment nul, mais on est invade donc ça se comprend. En avant! Ça a ses avantages, ça a ses défauts. Ils ne vont pas aimer ça! Un ennemi a été tué. Double buff, j'essaie de le faire. Pressons la lune. Je sais pas qui meurt avant que j'arrive. Un ennemi a été tué. Oh, GG. Ils connaîtront la guerre. Oh non, putain. T'es sérieux, quoi. Non, il a son passif. Trop risqué. Je connais ma voix. Mon honneur. Ah, il m'a vu, putain, merde, je suis mauvais. Il va back là.
connaîtront la guerre. Sans que personne ne voit. Ne me provoquez pas. Ah, Fury level 6. Leur destin est... Je préviens. Allez, yes. Alors là, si c'est Ward, je suis tellement mort. Non, c'est bon, c'est pas Ward. Donc j'ai mes bottes de mobilité, donc l'avantage avec Panthéon, c'est que regardez. Ma lance s'impatiente. Il va hyper vite, Panthéon. En plus, il a une ulti de déplacement, quoi. Donc dès que j'ai mon ulti. Ça va gank fort, je pense au mid. C'est chaud dans le mid. Fièrement. Ah, une boulette là et. Ah, il y a. Ah, il est où? Oh putain, c'est chaud. Pressons l'allure. Ah putain, il y a des creeps. Là, t'es mort. En avant. Vous avez tué un ennemi. Vite, vite, vite. Et voilà, mec. Sur le champ. Je vais venir me chercher. Donc voilà, ulti de déplacement au pi. J'ai mon smile, hein, parce que... Fais le gars. C'est comme si c'était fait. Un ennemi a été tué. Ils connaîtront la guerre. Je peux pas trop voir où ils sont. Voilà, j'ai fait un petit kill là. Je suis pas sûr qu'il y ait eu d'assist. Je pense pas. Que leur chaud l'arme de la guerre. Ma lance s'impatiente. Ils ne vont pas aimer ça. Sur le champ. C'est tendu là, il est encore il est fort le Aatrox. Il est pas fort, hein, il joue un perso cheaté, hein, faut arrêter. Qu'est-ce que je vais me faire comme stuff? Alors là, c'est la grosse question. Je sais pas du coup du tout sur quoi partir. C'est un peu un peu tendu. Je connais ma voix. Ne me provoque pas. Vous avez tué un ennemi. Le chien. Sans marquer de putain, mais il fallait me booster moi, quoi. Non. Ah. Ah, c'est à ce moment où on a suivi jusqu'à la mort, quoi. Mon honneur le réclame. Ah là, c'est débile. A été tué.
dressons l'allure. Bon, c'est bon, là j'ai une team plutôt sympa. Tout le monde est bien, pas de flame. Leur destin, j'ai fait une game hier soir, j'ai joué Lee Sin Meat. D'ailleurs, j'ai oublié la record, mais on m'a tellement flame que ça m'a saoulé. Et j'ai coupé le record. Ne me provoquez pas. Dressons l'allure. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah putain, chapeau de merde. Meurtre en série ennemie. Mon honneur le réclame. Bientôt bas, qu'est-ce que j'ai assez pour la... Oh merde, j'ai oublié de brancher mon ordi. Enfin, l'erreur de débutant, quoi. Hop, voilà, c'est fait. Oula, là, en avant. Qui commande, j'espère qu'il n'y aura pas trop de mal. Regardez, moi. Allez, je vais tester un nouveau build. Donc, sans marquer de on va pause. Aller en mode... Oula, putain, là, c'est... C'est vrai que d'ailleurs, la fille gère. Je vais tester un nouveau but, hein, donc me gueulez pas trop dessus. Donc là, ça va être complètement freestyle. Ma lance s'impatiente. C'est un peu le but de la série, hein, quand même. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est un mana mune. Parce que j'en ai marre des problèmes de mana avec Panthéon. Sur le champ. Voilà. La puissance de Panthéon et je prends l'attaque, mec. Hop là. Fièrement. Oh my god. Contemple ma puissance. J'ai ça. Avec délectation. Et voilà. On leur met la bite. Hop. Merde, elle est où? Madame a été tuée. Et voilà, personne ne comprend mon stuff. New meta, quoi, mec. Un allié a été tué. Aïe aïe aïe, c'est mauvais ça, ils se prennent des interruptions, ils gagnent des golds, ce connard de Urgot. C'est le shutdown parce qu'un Urgot c'est quand même assez chiant. Là pour l'instant ça. Ma lance s'impatiente. Problème de mana, mec. Ils ne vont pas aimer donc ça. Donc là, toutes les lignes sont push, on va essayer d'aller au top. Tester un tower dive parce que... Ne me provoquez pas. Oh. Ouais, tu restes là. J'espère faire quoi, meuf? Fièrement. Wait and see. Que leur putain de merde, outil de merde que je sais pas placer. Vous aurez votre jeu. Oh non! Interruption. Oh là là, c'était chaud!
Ah, j'aime cette game. Un ennemi a été tué. Oh là là, c'était tendu. Ah, c'était énorme. Allez, tuez-les. Non, le Shogat, il peut tenter jusqu'à la fontaine. Il lui met l'ulti en plus. Genre, vas-y, Shogat. Vas-y. Oh putain. Oh, le Timo, mec. La Lulu. Oh là, c'est épique, c'est bien. Elle est énorme, cette game. Sur le champ. Nice KS. Ah là là. Allez, défonce-lui ces champignons à la con là. Blue Jace. Je connais ma voix. 18-9, hein, la game, c'est pas un coup réel. Mais on verra bien quoi. Ils connaîtront la guerre. C'est voilà. Comme si c'était fait. Sympa la game quand même. Je suis content de mon panthéon jungle. Par contre, putain, charger la DS. La Blue Jace. Blue Pan. Ah non, c'est moi qui. Oh, je suis con. J'ai cru que je disais Blue Jace pour le stuff. Pressons la lune. Donc l'autre c'est qui va en random, hein, je sais pas, ils errent partout. Burgot, je sais pas ce que c'est. On a vu le Burgot qui est perdu. Néanmoins, il gère un peu. Il va falloir couvrir là. On n'aurait pas la tour. Leur destin est scellé. Vous avez vu comment je leur fais peur quoi? C'est abusé. Je suis Panthéon. Je suis un peu le jungler de la team, mais en général je suis pas fait pour faire peur. Oh, ils ont accepté de se rendre. Oh non, mais cette game était magique les gars. 20 minutes 07 ils se rendent. Waouh. Bon alors c'était Tatroba pour la White Storm Team. Une nouvelle série, l'épique pas très typique. J'espère que cette game vous aura plu. Un peu courte à cause du Shredder des ennemis. Mais bon. J'espère que vous aurez vu, on est parti un peu en délire avec l'alarme de la DS pour faire un mal à la. J'espère que cette game vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Allez, salut!